On ne pouvait pas être plus à chaud puisque Vanillier vient de gagner le Albert Batlet Novice Isordal et nous avons suivi la course en direct avec son éleveur Nicolas Simon qui avec sa femme Isabelle l'a fait grandir et l'a vendu avec le Hara des Marais. Nicolas, ça fait 5 minutes que Vanillier a gagné Groupe 1 à Cheltenham. Comment tu te sens là tout de suite? Euphorique. Euphorique. Ça fait plaisir. En plus, j'ai essayé de voir la course sur sur Internet. On n'a pas réussi à la voir. Donc, j'ai appris notre ami David de Francir qui nous a fait la course en direct. C'était un peu haché, mais bon, c'est super. C'est magnifique. Explique-nous. Explique-nous l'histoire de ce cheval, comment ça s'est passé, comment il est arrivé en Irlande et comment tu as récupéré la grand-mère Vinca. C'est bien ça que tu nous expliquais. Voilà, c'est ça. Donc on a récupéré Vinca par notre ami allemand là, qui nous déniche environ 90-95% des juments, qu'elles soient allemandes ou pas d'ailleurs, peu importe, il est stationné en Allemagne. Et donc il y avait cette jument-là, Vinca, qui était à vendre, c'était sur une vente online, qui n'existe plus maintenant, mais c'est vieux, il y a 10-15 ans, je ne me rappelle plus. Et puis je l'ai acheté, quoi. C'était une très bonne jument, c'était une championne, c'était en skip, elle a gagné le groupe de mémoire. Et ça s'est fait comme ça, et puis on n'a pas eu trop de chance d'ailleurs, à part Virgata. Et Virgata, donc la mère de Vanillier, on l'a rempli par Martaline, c'est ça, et elle nous a donné. Ah, je ne t'entends plus. On a vendu, je ne sais plus, 46 000 euros. 46 000 euros. Ça coupe, Gabi. Ouais, là ça va. Je t'entends bien, là. Ouais, ça coupe. Ouais, je t'entends bien. Il met vidéo, je crois. Ouais. 46 000 euros à Seamus Murphy. 46 000 euros à Seamus Murphy. Et il s'est donc retrouvé en Irlande. Et quelques années après, un groupe 1 à Cheltenham. Qu'est-ce que ça représente pour vous, toi et ta femme Isabelle, d'élever un gagnant de groupe 1 à Cheltenham? Ça représente. Déjà, courir un groupe, avoir la chance de courir un groupe en plat comme en obstacle, c'est magnifique. Un groupe 1, c'est encore plus beau. Et gagner un groupe 1, c'est magique. Quoi. C'est l'euphorie. Voilà. Puis c'est l'aboutissement. Presque dans les purs sang, être pointilleux, seul les jours de vie. C'est comme des fous, sérieux. Et voilà, c'est un aboutissement. C'est super encourageant et c'est super jouissif. Voilà.